Bonjour et bienvenue pour un nouveau match de J-League. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette 12e journée de championnat. Nous en sommes déjà au 4e match de cette 12e journée. Mine de rien, ça avance plutôt pas mal et on a déjà eu quelques petits résultats assez intéressants dans les 3 premiers matchs. Des résultats qui ont un petit peu bouleversé le haut du classement et ça pourrait arriver encore aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour assister à la rencontre entre Shimizu S-Pulse et Nagoya Grampus 8 et Nagoya donc qui pourrait un peu continuer de bouleverser l'ordre établi en haut du classement. Ils sont à l'heure actuelle 5e avec 19 points. En cas de victoire, eh bien, il passerait à 22 et 22 points, c'est suffisant pour arriver sur le podium. Il serait égalité avec Kashiwara Isol, 2e, 22 points donc, et Hokkaido Consadole Sapporo, 3e, 22 points aussi. Il passerait devant le Gamba, ça c'est sûr, et après le reste, ça se jouerait la différence de but. Il faudrait quand même qu'il s'impose par plus de 3 buts d'écart pour espérer prendre la 3e ou la 2e place. Donc évidemment, c'est très très loin d'être fait, ça va être très compliqué, mais c'est une possibilité. Ça peut arriver éventuellement si Shimizu passe complètement à côté de son match, ça pourrait arriver. Le Jubilee Ogiwata est complètement tranquille avec leurs 23 points. Eux, par contre, c'est sûr, ils resteront en tête du classement. Shimizu, eux, pour le coup, un petit peu moins d'espoir, forcément. Ils sont 13e pour l'instant avec 11 points. En cas de victoire, ils passeraient 11e devant le Vissel Kobe. Et en cas de victoire sur un score assez large, eh bien, ils passeraient 10e devant les Urawa Red Diamonds. Donc, ça reste loin du haut du tableau, mais ça leur permettrait de s'en rapprocher. Ce serait quand même déjà pas mal. Ça va être une opposition assez intéressante, en tout cas, à voir. On a vu que du côté de Nagoya Grampus 8, Ken Wakachimasu avait été aligné en pointe. Le coach Banger qui prend le risque de mettre Murasawa au goal et donc de mettre Ken en attaque. Alors que eh bien, le match n'aura pas tardé à se mettre en place avec Farhan Kotsawa qui tente déjà une frappe et Murasawa qui s'impose relativement facilement même s'il n'aura pas pu capter le ballon mais à peine le coup d'envoi donné et déjà Farhan Kotsawa pour les Shimizu S-Pulse qui se met en avant et qui donne la première alerte sur les buts de Nagoya Grampus 8. Mais du coup eh bien, l'équipe de Ken Wakachimasu qui contre-attaque par l'intermédiaire de son attaquant Joshua, l'attaquant américain qui tente sa chance, l'attaquant américain qui fait une bonne saison cette année et on va voir s'il va être capable de marquer à Morisaki parce que évidemment Morisaki est probablement l'un des meilleurs gardiens de ce championnat, il est probablement top 3 de ce championnat, il fait vraiment de très très bonnes performances, on a juste un petit peu peur aujourd'hui pour son épaule. On sait que lors du dernier match de championnat face au Jubilo, Nakayama lui avait fait un petit peu de mal, on va dire. Il lui avait complètement explosé l'épaule sur une de ses superbes frappes, sur une de ses frappes vraiment monstrueuses. A priori, si Morisaki joue aujourd'hui, c'est que tout va bien, mais il va falloir faire attention quand même. Il va falloir surveiller un petit peu ça avec Iglesias. Dans la surface de réparation, Iglesias à bout portant, la frappe d'Iglesias face à Murasawa qui capte le ballon sans aucune difficulté. Murasawa qui se met déjà en avant, qui montre déjà que son équipe peut compter sur lui, mais on le savait déjà évidemment. Alors il n'avait pas forcément fait un excellent match la dernière fois justement quand le dernier match entre Nagoya et Kashiwa, je m'embrouille un petit peu, Ken avait commencé au gardien et il avait fini par être remplacé très très rapidement pour laisser la place à Murasawa et Murasawa avait eu du mal à prendre un petit peu le relais. Nita notamment avait réussi à lui faire un petit peu de mal. Le deuxième but de Nita avait donné lieu à une petite erreur de Murasawa alors qu'on voit Farhan qui tente sa chance du milieu du terrain, déjà Murasawa qui est dessus et qui le capte sans aucune difficulté. Murasawa montre aujourd'hui qu'il va falloir faire bien plus qu'un tir du milieu de terrain pour l'inquiéter, même si Farhan est très très doué dans l'exercice, il va falloir quand même faire un petit peu mieux. Et du coup, eh bien, les petites inquiétudes qu'on aurait pu avoir par rapport à la performance de Murasawa du dernier match semblent disparaître là, vu son début de match. Pour l'instant, il fait un très très bon début de match, il a déjà réussi à s'imposer sur quelques frappes assez dangereuses. Très très bon début de match donc pour Murasawa. À voir si Ken Wakachimasu du coup va pouvoir faire le taf de l'autre côté du terrain. Alors que justement Ken Wakachimasu, un coup de pied Wakado pour essayer de tromper Morisaki. Il est quand même relativement loin du but, mais il réussit à marquer parce que la frappe était absolument surpuissante. Et Yuzo Morisaki qui n'aura rien pu faire sur cette frappe. Alors c'est peut-être un petit peu inquiétant de voir ça parce que la frappe semblait quand même assez lointaine. Alors certes elle était puissante, évidemment elle était puissante. Wakachimasu a une grosse force de frappe, mais c'est quand même Morisaki en face, et à mon avis, c'est le genre de frappe qu'il aurait peut-être pu arrêter en temps normal.
On va voir, est-ce que c'est juste que vraiment la frappe était trop puissante pour lui, et ou est-ce qu'il est encore un petit peu handicapé par son épaule, est-ce qu'il est encore un petit peu gêné par une blessure qui ne serait pas complètement guérie. C'est possible, c'est peut-être un Yuzo Morisaki un petit peu affaibli aujourd'hui, mais en tout cas ça n'enlève rien évidemment à la superbe frappe de Ken Wakachimasu, qui était dans tous les cas extrêmement compliqué à arrêter, bien entendu. Et du coup c'est l'ouverture du score pour Nagoya Grand Puce 8, 1 but à 0 pour l'équipe de Ken Wakachimasu, qui commence décidément très très bien ce match, alors que justement les Shimizu Aspels, depuis le début du match, depuis le coup d'envoi, eh bien ils étaient plutôt bien partis dans cette rencontre. Ils avaient réussi à mettre Murasawa en difficulté sur plusieurs actions. On sentait qu'ils étaient bien entrés dans leur match, mais ils n'ont pas forcément réussi à concrétiser leur temps fort. Et du coup, eh bien, Nagoya Grand Puce 8 a pu en profiter. Mais pour l'instant, c'est Shimizu qui a le ballon, encore une fois, et qui continue d'essayer de placer son attaque avec Farhan Kontsawat. Farhan qui réussit à se défaire de Zaragoza. Farhan Kontsawat pour Matsumoto. Matsumoto sur le côté droit. Matsumoto qui réussit à déborder un petit peu. Il ne va peut-être pas centrer. Il semble vouloir repiquer dans l'axe. Matsumoto à bout portant, peut-être la frappe de Matsumoto. Et Murasawa, encore une fois, qui réussit à la repousser avec Matsumoto qui récupère le ballon, qui fait en sorte qu'elle ne sorte pas en 6 mètres. La frappe encore une fois à la tête de Bando qui finit au fond des filets. Minoru Bando qui marque son premier but de la saison pour pouvoir permettre à son équipe d'égaliser. Magnifique tête dans la surface de réparation de Bando et qui finit par tromper Murasawa. C'est déjà l'égalisation de Shimizu Aspels. Shimizu Aspels est parfaitement rentré dans son match. Très très beau débordement de Matsumoto, très très belle action de Matsumoto qui aura déjà essayé de mettre en une première fois Murasawa. Le gardien l'aura repoussé, mais très très belle récupération de balles. Le centre ensuite très très bien ajusté, et Bando qui n'est pas dans la surface de réparation, il est juste à l'extérieur, il est à l'entrée de la surface de réparation, qui réussit à placer une tête parfaitement placée qui empêche le gardien de l'arrêter. Évidemment, Murasawa n'était pas complètement replacé, c'est normal, puisqu'il était à l'autre bout de son but, juste avant, pour arrêter la frappe de Matsumoto. Mais en tout cas, très très belle action offensive de Shimizu Aspels. Shimizu Aspels qui n'aura pas eu besoin, pour le coup, ni d'Iglesias, ni de Farhan Kontsawat. C'est assez intéressant à voir ça aussi, de voir que eh bien, les coéquipiers de Morisaki sont capables de se débrouiller sans leurs deux stars offensives. En tout cas, très très beau but de la part de Shimizu Aspels, qui revient du coup immédiatement dans le match, et du coup ce n'est pas terminé avec Iglesias. Iglesias qui commence à dribbler, heureusement Perez d'un superbe tacle glissé réussit à récupérer le ballon en temps... En tant que dernier défenseur, ça aurait pu être dangereux évidemment, mais il aura parfaitement réussi à récupérer le ballon. Et du coup son équipe qui peut partir en contre-attaque avec Farhan quand même, qui a réussi à les empêcher justement de partir en contre-attaque. Et c'est Iglesias qui récupère encore une fois le ballon, mais cette fois c'est Takeshima qui réussit à lui reprendre le ballon. C'est encore une fois Farhan. C'est très très compliqué du côté de Nagoya Grand Puce 8 pour ressortir le ballon. C'est difficile de complètement placer son attaque du côté de Shimizu Aspels, mais au moins et bien pour l'instant il continue de garder la pression avec Matsumoto qui a encore une fois le ballon. Matsumoto peut-être pour son deuxième centre. Matsumoto qui repique dans l'axe, encore une fois le centre de Matsumoto et la frappe de Kida en pivot qui n'aura pas trompé Murasawa cette fois. Avec Kida qui réussit à récupérer le ballon. Kida, le centre pour Farhan Kontsawa, incroyable, le retourné acrobatique absolument magnifique qui finit au fond des filets. Incroyable, Murasawa était projeté au fond des filets tant la frappe était puissante de la part de Farhan Kontsawa. Quelle frappe de Farhan Kontsawa, quel but absolument magnifique de la part du joueur thaïlandais. Le retourné acrobatique pour frapper le ballon du talon en pleine extension, un but tout acrobatique qu'il est, d'une beauté implacable. Et quel but absolument magnifique pour pouvoir prendre l'avantage dans cette rencontre. Ça y est, Shimizu Aspels, qui avait très très bien commencé le match, mais qui s'était retrouvé à courir après les scores, se trouve désormais à faire la course en tête, et c'est désormais Nagoya Grand Puce 8 qui va devoir eh bien égaliser. 2 buts à 1 pour Shimizu Aspels. C'est quelle première mi-temps déjà, quelle première mi-temps, quel spectacle dans cette rencontre. Il va falloir faire très très attention pour Nagoya Grand Puce 8 qui court déjà après le score avec Shimano pour essayer d'amorcer donc une première attaque, une attaque un petit peu placée. Il va falloir peut-être prendre un petit peu son temps pour pouvoir placer une vraie bonne attaque qui pourrait faire du mal à cette défense plutôt bien en place, avec Joshua qui tente la frappe de loin. Il préfère tenter sa chance dès qu'il en a l'opportunité, parce que justement la défense est bien en place.
Il ne veut pas risquer de perdre bêtement le ballon. Et la relance est assez catastrophique avec Kawaji pour Ken, mais qui se fait parfaitement avoir par Kishida. Très très belle action du défenseur. La relance de Kishida pour Kida qui perd le ballon face à Shimano. Le ballon qui n'est pas du tout sorti du camp de Shimizu S-Match. C'est du coup Nagoya Campus 8 qui peut en profiter encore une fois avec Ken. Ken dans la surface de réparation. Peut-être la frappe, mais Nishio part au duel face à Ken. Alors évidemment, ça va être très très difficile dans le domaine aérien de battre Ken. Et Ken a remporté son duel, mais Morisaki qui peut repousser le ballon. Ça aura été moins une quand même, ça aura été assez compliqué, mais Ken aura réussi à repousser le ballon. Et c'est la fin de cette première mi-temps. Quelle première mi-temps! Une magnifique première mi-temps! Et pour l'instant, eh bien, Shimizu S-Pulse qui est en train d'accomplir l'exploit. Shimizu S-Pulse qui est en train d'accomplir un très très grand coup dans cette rencontre grâce à ce but d'avance. Pour le score est de 2 buts à 1, mais il va falloir faire attention parce que Ken Wakachimasuki part déjà à l'assaut pour essayer de revenir à égalité très très rapidement dans ce début de deuxième mi-temps. Le coup de pied style Wakado de Ken Wakachimasu pour essayer de tromper Morisaki. Morisaki qui réussit à arrêter le ballon sans aucune difficulté. Pour le coup, quelle parade exceptionnelle de la part du gardien japonais face à un autre gardien japonais. Le duel de gardien japonais qui aura lieu effectivement, mais eh bien pas forcément au poste auquel on aurait pu penser. Ken Wakachimasu donc attaquant aujourd'hui pour essayer de tromper Morisaki, mais qui mieux qu'un gardien pour savoir comment tromper un gardien justement. C'est peut-être aussi l'un des aspects de la stratégie du coach Wenger, essayer de tromper Morisaki avec un joueur qui est capable de comprendre comment fonctionnent les gardiens. On va voir si ça va être efficace ou non. Joshua qui tente la reprise de volée, malheureusement il a un petit peu dévissé sa frappe et du coup il manquait terriblement de puissance, et Morisaki a pu s'en emparer sans grande difficulté. 2-1 toujours pour Shimizu S-Pulse, mais eh bien Nagoya Rampus qui est à l'attaque. Ken Wakachimasu qui se fait avoir par Nishio. Nishio qui va pouvoir relancer tranquillement. Pour l'instant, il a un petit peu de champ. Il réussit à trouver un de ses coéquipiers pour pouvoir continuer à avancer. C'est désormais Faran Kontsawat qui est en possession du cuir. Évidemment, Faran Kontsawat qui commence à dribbler, mais qui se fait avoir par Shimano. La contre-attaque pour Nagoya Grampus 8 avec Wakachimasu qui perd le ballon face à Nishio. La défense de Shimizu S-Pulse est bien, bien en place. Et en plus, Morisaki fait un bon match. Alors, je m'inquiétais un petit peu pour son épaule. Eh bien, il est possible que finalement, il s'en sorte plutôt bien quand même, parce que pour l'instant, ça a l'air d'aller, pour l'instant ça a l'air de tenir. Alors oui, peut-être petit questionnement sur le premier but, certes, mais depuis il nous aura sorti plusieurs parades de très très grande classe, et à mon avis avec une épaule en charpie, c'est le genre d'action qu'on ne peut pas nécessairement faire, donc il est possible que Morisaki soit là et bien là, en grande forme. En tout cas, il faut espérer pour Shimizu S-Pulse, parce que le match est loin d'être terminé, et il va falloir continuer à compter sur un Morisaki des grands soirs, un Morisaki de grande classe pour tenir face à cette équipe de Nagoya Grampus avec Matsumoto. De l'autre côté du terrain, l'une des façons de tenir face à eux, ça pourrait être de planter un troisième but avec Iglesias dans la surface de réparation. La frappe sur Murasawa qui aura réussi à la repousser sans grande difficulté avec Iglesias encore une fois. Le centre pour la tête de Matsumoto. Matsumoto qui est très très présent offensivement aujourd'hui, mais sa tête manquait malheureusement un petit peu de puissance. Matsumoto, c'est pas forcément un très très grand finisseur, et on l'aura vu sur cette action. Murasawa n'aura pas eu beaucoup de difficultés à s'emparer du ballon avec Faran Kotsamat qui récupère le ballon, qui tente encore un drive shoot pour essayer de tromper Murasawa, mais on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui il va falloir bien plus que ce genre de frappe pour tromper un Murasawa qui est très très bien dans son match malgré les deux buts encaissés. Il fait un bon match, hein, il ne faut pas dénigrer la performance de Murasawa aujourd'hui, c'est juste que eh bien, l'attaque de Shimizu S-Pulse est particulièrement en forme aujourd'hui, et on l'a vu sur les différentes frappes de Faran Kontsawat, Murasawa, il en faut plus pour le tromper, mais eh bien, pour l'instant, Shimizu S-Pulse y arrive, et peut-être sur cette frappe aussi, avec Iglesias, la frappe encore une fois, mais l'arrêt est absolument impeccable de la part de Murasawa. Nous en sommes toujours à 2-1 pour Shimizu S-Pulse face à Nagoya Grampus 8, et Nagoya Grampus 8 qui n'arrive toujours pas à trouver la solution, et qui pour l'instant a du mal à ressortir le ballon en plus de ça avec Shimano pour Ken. Peut-être sur cette action justement, Ken qui va essayer d'avancer mais qui se fait avoir par Kishida encore une fois. Kishida et Nishio, les deux qui réussissent à pour l'instant plutôt bien marquer Ken Wakachimasu qui a du mal à s'approcher des buts adverses avec Kawaguchi. Kawaguchi qui lui par contre n'a aucun mal à s'infiltrer dans la défense adverse. Kawaguchi la frappe, et Morisaki qui réussit à repousser le ballon. Très très belle frappe de Kawaguchi. Kawaguchi qui récupère le ballon encore une fois pour Ken Wakachimasu. Ken Wakachimasu qui va s'approcher, pour l'instant personne n'arrive à l'arrêter. Oh là là, heureusement Kishida
Yoshida au dernier moment qui réussit à s'interposer pour récupérer le ballon. Ça aurait pu faire très très mal à un Kenwa Kachimasu à bout portant comme ça sur un Morisaki un peu fatigué. Ça pourrait faire très très mal évidemment, mais Kishida était là pour assurer et pour empêcher que cela n'arrive. Pour l'instant, ça tient du côté de Shimizu S-Pel, ça tient et ça défend plutôt bien du côté de Shimizu S-Pel. S'il reste 10-15 minutes encore dans cette rencontre en comptant les arrêts de jeu, donc c'est tout à fait possible pour Shimizu S-Pel de garder ce rythme là, mais c'est tout à fait possible aussi pour Nagoya Grampus 8 de revenir dans ce match. Il va falloir faire très très attention pour les deux équipes, ça se bat très très bien, le match est assez disputé pour l'instant et ça reste assez difficile de prévoir le résultat de ce match tant les deux équipes semblent se tenir dans un mouchoir de poche pour l'instant, avec Matsumoto pour la contre-attaque du côté de Shimizu S-Pel. Matsumoto et qui continue d'avancer pour Iglesias pour Kida, l'attaque de Shimizu S-Pel, qui se met bien en place, ça circule très très bien du côté des S-Pel et pour l'instant eh bien c'est impossible pour Nagoya Grampus 8 de récupérer le ballon avec Iglesias qui va peut-être pouvoir tenter de prendre sa chance. Iglesias dans la surface de réparation, la frappe encore une fois de Iglesias et Murasawa qui réussit à la repousser, le centre de Iglesias pour la tête de Matsumoto au duel aérien face à Imai. Matsumoto qui gagne son duel, Matsumoto qui réussit à prendre le meilleur, mais Murasawa encore une fois qui réussit à repousser le ballon avec Matsumoto qui est le premier à la retombée du ballon. Matsumoto, le centre pour la tête d'Iglesias, Murasawa est dessus, mais ce n'est pas suffisant et c'est encore un but pour les Shimizu S-Pel, le but d'Iglesias évidemment, le serial buteur du Shimizu S-Pel qui permet à son équipe de reprendre l'avantage, qui permet de creuser l'avantage encore une fois, qui permet de faire le break dans cette rencontre. 3 buts à 1 pour les S-Pel, ça commence à être très très chaud pour Nagoya Grampus 8, mais l'action était vraiment magnifique du côté des S-Pulse. Ils ont absolument tout donné pour essayer de mettre ce ballon au fond des filets. Murasawa n'aura fait que repousser l'évidence, que repousser l'inéluctable. Les S-Pulse qui ont continué encore et encore de pousser jusqu'à ce que ça finisse par rentrer. Et ça finit par arriver évidemment par Iglesias. Magnifique but de la tête d'Iglesias. C'est le pauvre Murasawa qui finit au fond des filets. Il n'aura rien pu faire sur cette action et nous en sommes à 3-1. Nous en sommes à 3-1 pour les S-Pulse. Ça devient vraiment très très compliqué pour Nagoya Grampus 8. On arrive à la fin du match, on arrive à la fin du temps réglementaire, il ne reste vraiment plus beaucoup de temps et Farhan Kontaboit en plus qui récupère le ballon même si il le perd ensuite face à Zaragoza. Il va falloir que Nagoya Grampus 8 réduise le score maintenant s'ils veulent avoir encore une chance de revenir dans ce match. Mais ça va être encore très très compliqué. Nous sommes dans les arrêts de jeu avec Shimano. Shimano pour Joshua. Joshua qui va essayer d'avancer encore une fois. La frappe, la passe pour Ken Wakachimasu. Pardon. Ken Wakachimasu au duel avec Ishida dans le duel aérien. Encore une fois, ça risque d'être très très difficile pour le défenseur. Wakachimasu qui met le ballon pour les filets. Incroyable. Morisaki qui n'aura rien pu faire sur cette frappe absolument magnifique de Ken Wakachimasu. Et c'est le doublé pour l'attaquant de Nagoya Grampus 8. Et peut-être que tout est encore permis, c'est peut-être encore possible pour Nagoya Grampus 8, pardon, d'accomplir l'exploit. Nous en sommes à 3 buts à 2 et le match n'est toujours pas fini, mais quel match absolument incroyable, les deux équipes qui se donnent à 100% pour remporter la victoire aujourd'hui, et Shimizu S-Pel qui pensait s'être mis à la birie avec ce but d'Iglesias. C'est bien, manifestement il n'en est rien pour l'instant parce que ils n'ont plus qu'un but d'avance. Alors évidemment mieux vaut être dans leur position que dans celle de Nagoya Grampus 8, mais il va falloir faire très très attention. Nous sommes dans les arrêts de jeu et ça pour aller très très vite avec Koike qui récupère le ballon. Koike, la passe pour Kawaguchi dans les ultimes minutes de ce match avec Komatsu. Heureusement Komatsu aura récupéré le ballon, mais le Mexicain Zaragoza qui récupère le ballon encore une fois pour Joshua. Joshua qui attaque, Joshua qui va peut-être tenter la frappe, qui réussit à dribbler un joueur, il est dans le surface de réparation, mais heureusement le tacle salvateur de Kishida à la dernière seconde qui permet à son équipe de remporter les 3 points de la victoire face à Nagoya Grampus 8. Quelle victoire de Shimizu S-Pel, mais quelle victoire de Shimizu S-Pel, quel très très grand match de la part des coéquipiers de Morisaki. C'est un très très grand match que nous aurons eu le droit aujourd'hui, un très très grand spectacle que nous aurons eu le droit aujourd'hui. Quelle magnifique performance de la part des 22 acteurs, quelle magnifique performance de la part des deux équipes. Nous aurons eu vraiment le droit à un très très grand match aujourd'hui. Score final 3 buts à 2 pour les Shimizu S-Pel. On est vraiment passé par toutes les émotions aujourd'hui. On a vraiment cru que les deux équipes auraient pu s'en sortir, les deux équipes, tous les résultats étaient possibles aujourd'hui, tant les deux équipes nous auront donné un formidable spectacle. On s'en rappelle, hein, Shimizu S-Pel avait très très bien commencé cette première mi-temps, ce match, cette rencontre dans son entier, en poussant énormément, en mettant une très très grosse pression sur les buts de Nagoya Grampus 8, mais ils n'avaient pas réussi forcément à concrétiser leur temps fort en ce début de match, et du coup Ken Wakachimasu, un peu contre le cours du match, du coup avait réussi à ouvrir le score, et là on se disait que pour les Shimizu ça allait être un petit peu compliqué. On le rappelle, Shimizu c'est pas forcément une équipe qui a beaucoup de facilité en attaque, ils ont du mal à marquer, ça tient souvent très très bien derrière avec Morisaki, mais par contre ça a du mal à marquer
des buts, et bien là, aujourd'hui, ça va, ça se sera plutôt bien passé dans ce domaine, puisqu'ils auront marqué 3 buts, notamment ce but-là absolument magnifique de Minoru Bando, son premier but dans ce championnat, pour revenir du coup à égalité. Et avant la fin de la première mi-temps, et bien Shimizu S-Pulse qui aura continué à pousser encore et encore, et qui aura fini par réussir à marquer le but pour prendre l'avantage enfin dans cette rencontre par l'inévitable Farhan Kontsawat, évidemment sur un centre de Kida, mais très très belle action. On aura eu le droit à de très très belles actions offensives de la part de Shimizu S-Pulse, un collectif bien bien en place du côté des S-Pulse, une équipe qui aura pris le temps de construire ses attaques, de placer un petit peu ses attaques pour essayer d'être vraiment efficace face au but adverse. Ça aurait été très très efficace. Alors, est-ce qu'il y aura eu une erreur de coaching de la part du coach Wenger? Est-ce que Ken Wakachimasu aurait été plus pertinent que Murasawa au goal? Je n'ai pas l'impression, parce que j'ai quand même l'impression que Murasawa a fait un vrai bon match. Alors évidemment, moi, j'ai tressé ses lauriers lors de la rencontre. Plusieurs fois, j'ai répété qu'il était vraiment un très très bon gardien. Et plusieurs fois, j'ai salué ses performances parce qu'il faisait de très très belles parades, de très très beaux arrêts. Et... je n'ai pas l'impression qu'il soit en cause dans cette rencontre. Et puis surtout, le buteur du côté de Nagoya Grampus 8, c'est Ken Wakachimasu. Justement, il aura marqué un doublé. C'est lui qui aura permis d'entretenir l'espoir aussi. Donc, sans lui, peut-être que l'attaque de Nagoya Grampus 8 aurait été un petit peu plus encore en déliquescence. Et dans ce cas, ils auraient peut-être encore eu un petit peu plus de mal d'homme à marquer. Donc, peut-être aurait-il encaissé moins, mais peut-être aurait-il marqué moins aussi. Donc, évidemment, ça aurait été tout aussi compliqué. De toute façon, évidemment, nous ne pouvons pas nécessairement nous projeter dans ce genre de scénario parce que le fait est que, Murasawa était au goal et Ken Wakachimasu était en attaque. Point, on ne saura jamais ce qui aurait pu se passer si... j'allais dire si l'inverse avait été fait. Murasawa ne se serait pas retrouvé en attaque. Pour le coup, il n'en a pas nécessairement les capacités. Mais en tout cas, on ne sait pas ce qui se serait passé si Ken Wakachimasu avait été placé en attaque. Et de toute façon, j'ai presque envie de dire que peu importe, parce que quoi qu'il en soit, il faut saluer la performance de Shimizu S-Pulse qui aura vraiment fait un superbe match, un très très beau match, même s'ils auront tremblé jusqu'au bout, même s'ils auront eu peur jusqu'au bout, parce que les coéquipiers de Ken Wakachimasu justement auront fait un très très grand match aujourd'hui. On le voit là du côté de Shimizu S-Pulse, hein, le centre de Matsumoto a noté, parce que Matsumoto aura été très très présent offensivement. On aura vu aujourd'hui des joueurs du côté de Shimizu S-Pulse qu'on n'aura pas toujours vu forcément, des joueurs comme Matsumoto, des joueurs comme Bando, Kida aussi dans une moindre mesure, des joueurs qui ne sont pas toujours capables de se mettre en valeur, mais qui aujourd'hui auront vraiment fait un très très bon match et qui auront parfaitement assisté Farhan et Iglesias pour pouvoir prendre les 3 points de la victoire aujourd'hui, même si donc, on le voit sur cette dernière action, c'est Nagoya Grampus 8 qui aura marqué le dernier but de la rencontre face à un Morisaki qui aura fait un bon match lui aussi, mais qui aura souffert face à un Ken Wakachimasu en grande grande forme et extrêmement puissant aujourd'hui. Donc évidemment, score final 3 buts à 2, victoire des Shimizu S-Pulse, très très belle victoire de la part de Shimizu S-Pulse qui prend donc 3 points, qui se retrouve à 14 points et qui se retrouve à prendre donc la 11e place. Ils ont une différence de but qui reste encore inférieure à celle de URD, donc ils se retrouvent quand même encore derrière, mais ils se rapprochent mine de rien, et surtout ils permettent de s'éloigner un petit peu de la zone rouge. Ça va leur faire du bien, et c'est surtout une très très belle victoire face à une très très grosse équipe de Nagoya Grampus 8. Alors Nagoya Grampus 8, on en parlait, on se demandait s'ils n'avaient pas atteint un petit peu une sorte de plafond de verre, et on n'était pas sûr qu'ils soient encore capables de continuer à progresser. On avait peur qu'ils soient un petit peu en sur-régime pendant un moment et qu'ils risquent de se retrouver un petit peu plus bas dans le classement au bout d'un moment. Et bien, c'en est peut-être un indicateur aujourd'hui, évidemment, cette défaite qui pour l'instant dans le classement ne change rien, mais qui fait que ils pourraient peut-être prendre quelques places selon les résultats évidemment du FC Tokyo ou des Kashima Antlers. En tout cas, c'est évidemment une assez grosse contre-performance pour Nagoya Grampus 8, qui aura quand même fait un très très gros match, et qui au moins nous aura donné un très très beau spectacle. C'est déjà ça, bien entendu, même si évidemment je pense qu'ils auraient préféré faire un match un peu moins spectaculaire, mais prendre les 3 points de la victoire, ça me semble assez évident. Donc Shimizu S-Pulse qui s'impose 3 buts à 2 face à Nagoya Grampus 8. Superbe rencontre, superbe match, superbe performance pour Shimizu S-Pulse. C'est la fin de ce match. On se retrouve très très bientôt pour un nouveau match de J-League, un match qui opposera les Urawa Red Dragons
Diamonds face aux Kashima Antlers. Et on en parlait, Nagoya Grampus 8 qui risque peut-être de perdre une place justement parce que eh bien, les Kashima Antlers pourraient leur passer devant. Une victoire des Kashima Antlers et ils passeraient devant Nagoya Grampus 8, ils passeraient aussi devant Tokyo Verdy et devant FC Tokyo au moins provisoirement parce que parce que le FC Tokyo n'a pas encore joué, mais évidemment Kashima Antlers en cas de victoire qui commencerait à taper assez sérieusement à la porte du podium, Kashima Antlers qui commencerait à s'approcher un petit peu du haut du tableau. Évidemment ça va être leur objectif, mais pour ça eh bien il va falloir se défaire du champion en titre qui, s'il n'a pas forcément très très bien commencé la saison, semble être une très très bonne série en ce moment. Les URD qui sont un petit peu mieux dans leur saison, que ce soit en championnat ou dans la Ligue des Champions Asiatiques, en ce moment le champion en titre de J-League fait de très très belles performances, donc il va falloir faire attention pour l'équipe de Paul Coimbra. En tout cas ça risque d'être un match assez intéressant et j'ai hâte de voir ça. En tout cas, en attendant de voir ce match, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à très très bientôt donc pour la suite de cette 12e journée de J-League avec ce match qui opposera donc les Urawa Red Diamonds et les Kashima Antlers.